Didier Deschamps, Didier t'es chiant, il veut pas se tourner vers l'avenir, il est bloqué dans le passé, il fait jouer Olivier Giraffe, Giroud, il a 48 ans, une demi-heure, il s'est claqué Giroud, tu vois qu'il peut plus jouer, Adrien Rabiot, c'est le beau-fils à Didier Deschamps, il est en couple avec sa daronne, là, ma mère, c'est bon, ton beau-fils là, ton filleul, arrête un peu avec Rabiot, l'autre là, Pavard, Colomoigny, c'est les mêmes, hein. Pavard, Colomoigny, même combat. Ils ont fait leur carrière sur un match, les gars. Toute leur carrière, elle repose sur un bon match. C'est incroyable. C'est quoi la prochaine étape, Didier Deschamps? Tu vas faire revenir, tu vas faire jouer VG Dream? Oula! Il va faire jouer VG Dream au goal. Il est capable, les gars. Ah, c'est un truc de fou. La vie de ma mère, Didier Deschamps. Didier Auchan, oh, ces joueurs de Auchan, même Thuram, ça se voit, tu le prends parce que t'es pote avec son daron, ça se voit, Didier méchant, c'est méchant ce que... À chaque fois que je croise un Algérien, je me prends un coup de pression. Oh, tu croises un Algérien, la première question qu'il va te poser, depuis quand t'es pas là en Algérie? De quoi il se mêle le mec, les gars? C'est incroyable. Oh, t'es obligé de lui répondre en plus, hein. Depuis quand t'es pas là en Algérie? Ah, moi, ça fait longtemps, ça fait 10 ans. 10 ans? Pourquoi? Wesh, coup de pression. Oula, il veut savoir, le mec, il est curieux, une commère. Ouais, parce que, en fait, tu vois, je travaillais et tout, le travail, j'avais pas le temps et tout. C'est pas une raison, frère. Il te juge. En plus, il juge tes choix. C'est un truc de malade. Oula, eh, frère, non, c'est pas une raison. Faut y aller, frère. Après, les gars, aucun respect d'intimité. La question d'après est tes parents. Depuis quand ils sont pas là en Algérie? Ouais, c'est incroyable, les gars. Attentat à la pudeur, c'est grave de dire ça. Et il va te poser que cette question. Il s'en fout du reste. Il s'en fout de savoir comment ça se passe le travail, combien t'as d'enfants, est-ce que t'es marié? Non! La seule question, depuis quand t'es pas là en Algérie? Alors je te raconte pas, si tu lui réponds, je suis jamais là en Algérie, les gars. Ceux qui répondent ça, bagarre! C'est avec une immense tristesse, c'est avec le cœur déchiré que je vous annonce que le Cameroun est qualifié pour la CAN. Qu'est-ce que je suis dégoûté, les gars. D'un côté, je suis dégoûté. Mais de l'autre, je suis trop content. Quelle meilleure occasion pour l'Algérie d'avoir sa revanche. La revanche face au Cameroun. C'est plus le Cameroun, c'est le deuxième round, les gars. La vie de ma mère. Et là, on va voir qui est qui. Et cette fois-ci, le Cameroun. Cette fois-ci, à la CAN. Il n'y aura pas Gassama. C'est plus Gassama, c'est grâce à moi. La dernière fois, c'est grâce à lui que vous avez gagné. On n'a pas oublié. Donc, c'est encore mieux, les gars. Plus haute et l'escalade. Enfin, plus haute et l'altitude, plus dure sera la chute. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, les gars. Mais en tout cas, plus le Cameroun va monter et plus la défaite sera belle. Ça sera incroyable. Donc, ils vont aller loin à la CAN et on va les éliminer. Imagine, ils gagnent, les gars. Oh, misère. Par contre, les Sénégalais, je vous aime bien, hein, mais depuis hier, il n'y a plus de Wi-Fi. On ne vous entend plus. Silence, radio. Silence, Sadio. Silence, Sadio Mané. Wesh, les Sénégalais, ils ne parlent plus. Là, ils disent quoi aujourd'hui? Ouais, c'est un match amical. Quel match amical? Vous étiez à fond, les Sénégalais. La vie de ma mère, le stade, il était blindé. À guichet fermé. Il y avait l'équipe type. Il ne manquait pas un joueur. Vous avez joué ce match comme une finale. Et l'Algérie vous a plié. Incroyable, les gars. On les a flingués. Le Sénégal, hier, c'était des céréales. Chez eux, les gars. Chez eux. La vie de ma mère avec Bounedja. C'est ça le pire. Le pire, c'est pas de battre le Sénégal. C'est de les battre avec un patron de Hanout. Le mec, il travaille dans une épicerie la journée. Il vend des décodeurs. Il vend des kalanjikas. C'est incroyable, les gars. La vie de ma mère, cette CAN, elle est pour nous, les gars. On peut le faire. Les Sénégalais, acceptez-le. On est plus fort que vous. C'est plus Dakar, c'est d'accord. L'Algérie a mis tout le monde d'accord. Hier, l'Algérie a mis tout le monde Dakar. C'est bon ou pas? Là, toute l'Afrique est prévenue, les gars. Là, il y a eu la contre-performance contre Panzani, contre les spaghettis. C'est vrai, les gars, c'était un faux pas. C'était un faux pas, il n'y a pas de problème. Mais vous inquiétez pas, l'Algérie, ça fait partie des grandes équipes. C'est plus comme avant. Ouais, grande équipe africaine, grande équipe mondiale. Faut arrêter de dire un grand d'Afrique, un grand de la planète. Voilà, les gars. Quand t'as un mec comme Mahrez, quand t'as du Feghouli, quand t'as du Bounedja. Non, pas Bounedja. Non. Bounedja, c'est un patron de Hanout, non. Nul à chier. Lui, il fait baisser le coefficient FIFA de l'Algérie. Je vous le dis, les gars. Oh là, si l'Algérie est à ce niveau de classement FIFA, c'est à cause de Bounedja. T'enlèves Bounedja, on est dans le top 10. Les
Retrouver la chaussure à Messi, les gars. Les chausses du 10. Les gars, j'ai une allergie, c'est trop bizarre. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi. En fait, quand je m'approche d'une bonne meuf, j'ai mon zizi qui gonfle. C'est incroyable, les gars. Ça marche qu'avec les bonnes meufs, les gars. Quand je suis près d'une bonne meuf, j'ai mon zizi qui gonfle. Il double, voire triple de volume. C'est incroyable. Et ça me le fait qu'avec les bonnes meufs. Hein. Parce que quand je suis près des moches, genre mon zizi, il gonfle pas. Il reste dans son état normal. Il reste au repos. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Trop chelou, les gars, cette allergie. Je sais pas si vous l'avez, vous aussi, les gars. Je crois que je suis allergique aux bonnes meufs. C'est incroyable. Mais genre, je vous jure, les gars, mais ça gonfle et c'est impressionnant. À vue d'œil, c'est dingue. Donc voilà, je pensais à consulter un sboubologue. Donc voilà, s'il y a des gens de la team qui ont déjà eu ce problème, au moins on partage... Partagez votre expérience, mais vraiment trop chelou. Là, je me pose des questions. Donc, avant d'aller voir le sboubologue, les gars, dites-moi si ça vous arrive à vous aussi. Écoutez. Il faut être humble. Mais je dis, c'est à force de forger que on devient forgeron. C'est pas possible, ce mec, les gars, il veut plus s'arrêter, l'entraîneur du Cameroun. Après la théorie du danger, voici la théorie du forgeron. Oh, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. C'est quoi ça? C'est à force de couper du bois qu'on devient bûcheron. C'est à force de tricher qu'on devient tricheur. On n'oublie pas que le Cameroun a triché contre l'Algérie. Oh les gars, qu'est-ce qu'il croit, Song? Il croit que c'est avec des proverbes qu'il va gagner la CAN. Avec ses citations à chaque fois, là. Ouais. Faut pas tuer la crinière du lion avant de l'avoir tué. Qui part à la chasse, tire la chasse. L'avenir appartient à Samuel Eto'o. Quand tu crois que t'es pas en danger, c'est là que t'es en danger. C'est incroyable, les gars. Ce mec, c'est pas un entraîneur. On dirait grand corps malade sur la vie de ma mère. Grand corps malade du Cameroun. Oh là, il fait du slam. C'est un truc de malade, les gars. C'est incroyable, l'entraîneur du Camcloun. Oh, il croit que c'est avec ses proverbes qu'il va gagner des matchs de foot, les gars. Oh, il est passé de athlète à poète. C'est un truc de malade. Oh, il prépare aucun match. Il a aucune tactique, aucune stratégie pour les matchs. Il prépare que les conférences de presse. C'est incroyable. Il prépare ses punchlines en avance, les gars. Vous allez le retrouver dans Nouvelle École. C'est un rappeur, un slameur. C'est Abdelmalik, le mec. Oh, c'est incroyable. Sur la vie de ma mère. Après, je comprends pourquoi le Cameroun, ils sont aussi nuls depuis quelques temps. C'est à cause de l'entraîneur, les gars. Il fait aucun entraînement. Il prépare que des rimes. Il est là, des rimes croisées. Alexandrin, Alexandrie. Arrête un peu. Arrête, Rigobert Song. Rigobert Song. Si tu veux faire des punchlines, tu veux faire des rimes, fais des sons sur la vie de ma mère. Mais arrête de faire un entraîneur. Après, l'Algérie, je vais pas dire c'est pareil, mais avec Belmadji, à part des conférences de presse, il fait quoi, les gars? Il m'énerve avec ses conférences de presse, Belmadji. Il parle trop aux journalistes. Bonjour, les gars, c'est devenu impossible de draguer sur Instagram. Toi, tu vas écrire à une meuf, coucou, t'es mignonne. Dis-toi que dans la même journée, il y a 200 mecs qui lui ont envoyé le même message, les gars. La meuf, elle s'est fait draguer 200 fois avant toi. Ton message, il lui fait plus aucun effet. La meuf, tous les mecs lui disent qu'elle est trop belle et elle y croit en plus. Elle te dit quoi? Il y a un tas de mecs qui rêveraient d'être avec moi. Nuance. Il y a un tas de mecs qui rêveraient de baiser avec toi. C'est pas la même chose. Ouais. Il y a un tas de mecs qui rêveraient de me mettre la bague au doigt. Nuance. Il y a un tas de mecs qui rêveraient de te mettre des doigts. Ce n'est pas la même chose. Oh, toi la meuf, tu veux juste la pécho vite fait. T'as des mecs qui lui font des demandes en mariage sur Instagram, les gars. Tu peux pas rivaliser. Un DM, ça veut dire demande en mariage. T'as des mecs, même ils disent à la meuf, envoie ton PayPal, je te fais un virement. Comment tu veux rivaliser avec ça, les gars? C'est impossible. Donc voilà, les gars, aujourd'hui, c'est devenu impossible de draguer une meuf sur les réseaux. Tu lui envoies un message, il y a 4000 mecs qui lui ont envoyé un message avant toi. C'est foutu. Mon ex qui m'a appelé prise de tête, je sais pas ce qu'elles ont les meufs, quand elles se mettent avec un nouveau mec et qu'elles sont heureuses, elles veulent absolument te le faire savoir, c'est incroyable. Oh, elle est là, elle t'envoie un message, ouais, regarde mon nouveau mec, je suis heureuse avec lui, espèce de chien. Ouais, lui, contrairement à toi, il m'écoute. Lui, contrairement à toi, il prend soin de moi. Je lui ai dit, mais lui, contrairement à moi, il t'a pas baisé. C'est pour ça qu'il t'écoute, parce qu'il a pas encore fait l'amour avec toi. Moi aussi, je t'écoutais au début. Ouais, lui, contrairement à toi, il prend de mes nouvelles. Ouais, il t'a pas baisé, c'est normal. Moi aussi, avant, je t'appelais 40 fois dans la journée. Je tapais des nuits blanches au téléphone, avant qu'on fasse l'amour. Mais une fois qu'on a baisé, ça y est, frère. C'est vrai, les gars, là, les meufs comme ça.
Tu sais, quand elles trouvent un nouveau mec, elles se disent quoi? Ouais, lui, contrairement à toi, tu vois, il s'intéresse à moi. Il t'a pas baisé, c'est pour ça, tu vas voir. Une fois que t'auras baisé, il sera. Mort de rire, les gars. Je pensais que c'était le match de Benzema. Regardez, les gars. Le maillot jaune, c'est la même couleur. Je vois, c'est du rugby. Je suis dégoûté. Voilà, on dirait le maillot de Karim. C'est le même, les frères. Je comprends pas Canal+, ils ont dit qu'ils ont racheté les droits de l'Arabie Saoudite, les gars. Il n'y a pas le match, c'est un truc de malade. Ils ont menti ou quoi? Ils n'ont pas dit qu'ils rachetaient les droits, Canal Sus? Wesh. Moi, je regarde ça, hein, le top Louis XIV, là, je sais pas quoi. Je connais pas trop les règles, mais je crois que tu n'as pas le droit d'envoyer le ballon et que le ballon ne doit pas tourner en même temps. Je crois que c'est un truc comme ça, les gars. Tu peux le mettre sur le côté, mais il n'a pas le droit de faire une rotation. Le ballon est toujours à gauche, jamais à droite. À droite, t'as contresens, gâté. C'est la misère, les touches. Il doit faire la cour d'échelle, il y en a qui doit le porter, l'autre il doit le tenir. Wesh. C'est plus ramener la coupe à la maison, c'est gagner la coupe à la maison. Il est là, Dupont, il est là. Faites-moi le cul, Dupont. Dupont, faites-moi le cul, Dupont. Je suis là, il me voit pas ou quoi, Antoine? C'est traditionnel, non, même pas. Oh, 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 il y a hors-jeu. Là, là, il y a pénalty. Oh, non, 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 l'arbitre. Oh, non, marchez. Ben, les gars, je connais pas trop les règles, mais je crois que t'as pas le droit d'envoyer. Je pense que c'est un truc comme ça, les gars.